Bonjour, bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau tutoriel consacré à ProCycling Manager 2014. Alors c'est pas un défi, c'est un nouveau tutoriel. Les défis c'était intéressant mais j'ai plus énormément de temps à y consacrer. Des propositions ont été faites, on va dire plutôt aberrantes. J'ai pas tenu compte, mais il y en avait quelques-unes qui me plaisaient, mais upload les 20 vidéos d'un grand tour, ça prend énormément de temps. Donc du coup c'est un petit peu embêtant. Et puis là je voulais me relancer donc dans un tutoriel qui a été demandé par certaines personnes, qui concerne essentiellement la gestion des objectifs des coureurs avec les programmes de course. C'est la partie, on va dire, longue et laborieuse, mais qui va définir toute votre saison. Si vous ratez ce moment-là derrière, vous avez des coureurs qui ne sont pas en forme au bon moment et vous êtes incapable de réaliser les objectifs aux sponsors. Alors ce qu'on va faire, on va démarrer une carrière complète en équipe personnalisée ensemble et je vais vous montrer comment moi je procède. Donc on va démarrer tout de suite, donc solo carrière. Alors j'ai décidé aujourd'hui pour faire un petit peu le chauvin, sinon c'est pas marrant, donc on va faire une équipe personnalisée et on va piocher uniquement des coureurs français. Alors je dis personnalisé parce que je trouve toujours ça sympa de créer sa propre équipe. On prend les coureurs qu'on aime bien et puis on s'embête pas avec les autres. On gère le budget comme on l'entend et je trouve ça plus sympa que de prendre une équipe qui est déjà faite, etc. Je préfère créer de moi-même. Donc là on va je suis perdu, pays, hop, on va sélectionner la France. Là voilà, rechercher. Alors voilà tous les coureurs qui s'offrent à nous. Alors en France c'est bien parce que au moins on a un petit peu de tout quand même, même si on dirait pas comme ça. On a des bons en montagne, on a des bons en vallon, en contre-la-montre on n'est pas trop mauvais. En pavé, on a quand même des leaders potentiels. Et en sprint, on a évidemment Nasser Bouhanni, Arnaud Démare, les plus connus, qui montent en puissance. Alors, on va créer une équipe SIA World Tour, donc au plus haut niveau. Ça veut dire qu'il va falloir monter un budget supérieur à 400 000 euros. Et on va devoir sélectionner au minimum ces 25 coureurs, je crois. Quelque chose comme ça. Donc on va commencer ça tout de suite. Alors on va faire une équipe complète. On va pas se spécialiser dans quelque chose en particulier. On va essayer d'avoir des équipiers pour la montagne, pour les vallons, pour les pavés et pour le sprint. Qu'on ait une équipe complète qui puisse qu'on s'intéresse à toute la saison entière des courses SIA World Tour. Parce que si on s'intéresse qu'au sprint, et ben on va commencer à délaisser un petit peu le pavé, on va délaisser les classiques. Donc là, on va vraiment essayer d'avoir des leaders partout, comme ça, pour les objectifs, on verra tous les aspects. Alors, en leader, concrètement, leader grand tour, en France, on en a 4. On en a 4 qui sont vraiment pas mauvais, hein, Romain Bardet, Pierre Roland, Thibaut Pinot, Jean-Christophe Perrault. Alors, Jean-Christophe Perrault a déjà 36 ans, ça m'embête un petit peu de le prendre. Je préfère miser un petit peu plus sur la jeunesse. Donc on va faire cohabiter Thibaut Pinot et Romain Bardet dans la même équipe. Ce sera donc nos deux leaders de grand tour. Alors pourquoi des leaders de grand tour? On voit qu'ils ont une bonne note de montagne. Alors ils ont une note de contre-la-montre plutôt faible et une très bonne note de récupération. C'est ça qui va nous intéresser le plus. Romain Bardet, il est pas mal en récupération non plus. Il est un petit peu plus taillé pour les classiques, mais bon, on a très bien pu voir sur le Tour de France qu'il est là aussi pour les grands tours. Donc voilà, on va garder ces deux coureurs-là. Alors ensuite, on va passer au choix des leaders vallons. Alors là, on a bien entendu Thomas Vauclair. Bon, lui, il a déjà 34 ans aussi. Donc on sait qu'il est arrivé au maximum de ses capacités et que déjà l'année prochaine il va perdre beaucoup en stats parce qu'il commence à être vieux. L'âge de déclin dans,
dans PCM est assez tôt quand même, autour de 33, 34 ans, il commence un petit peu déjà à décliner. Donc on va dire que l'avenir se situe plutôt sur Arthur Vichot, qui a 25 ans quand même déjà. Arthur Vichot, malheureusement, qui a pas une excellente note en endurance et pas excellente en résistance non plus. Donc en leader de classique, mais bon, il a 79 en vallon, on va se le payer. On a Tony Galopin qui nous a fait un beau Tour de France. Lui, voilà, bon, lui, il est pas mal et surtout il est pas cher. 22 500, sincèrement, on peut largement se l'offrir. Il sera soit lieutenant sur les classiques, soit leader, ça dépendra de son évolution. Alors Warren Barguil, ce qui est très intéressant avec ce coureur-là, c'est qu'il a que 22 ans, il a 77 montagnes, 77 vallons, 73 de récupération. Alors ça, c'est le coureur passe-partout qui peut briller, enfin qui peut être équipier en classique, en grand tour, en tour d'une semaine. Donc lui, c'est le passage obligé, quoi. Barguil, hop là. On va passer au pavé. Alors au pavé, on a Sylvain Chavanel qui a 34 ans aussi, donc qui est déjà un petit peu sur le déclin. Mais bon, il n'est pas mauvais en contre-la-montre, pas mauvais en pavé. C'est quand même un coureur qui est très complet, qui peut emmener un train de sprint. Donc celui-là, on va se le payer. On va bien lui trouver une utilité. Alors Sébastien Turgot. 76 en pavé, donc ça il va nous le falloir si on veut, si on veut faire des bonnes courses pavées. Et Johan Ofredo, qui est pas mauvais, 75 pavés, on va le prendre aussi. On verra ensuite pour vraiment les autres équipiers, quoi. Alors, le sprint. Alors là on a le choix, soit on prend les deux grands sprinteurs français du moment, Nasser Bouhanni et Arnaud Démare. Soit on décide de viser sur la jeunesse, par exemple Brian Cocquart qui a 21 ans et qui a une note moyenne. Donc on peut se dire que dans 2 ans, eh ben, il va être le sprinteur français. Donc voilà, pour le moment, après c'est vous qui misez sur la jeunesse ou non, ou si vous voulez tout de suite une équipe la première année, on défonce tout, on est des leaders. C'est un choix. Après, il y a le prix qui est là aussi, hein. Et à un moment, on a un budget qui nous tient. Bon, là, on n'aura absolument pas de problème de budget puisque les coureurs français, pour le moment, n'ont pas des salaires exorbitants. Donc, on va se payer les deux sprinteurs du moment. Alors là, on a tous nos leaders, on va dire. Donc, on a du classique du Nord, on a du sprinter, on a du puncheur, du grimpeur. Voilà. Donc, ça, c'est tout ce qu'il nous faut pour une saison complète. Alors maintenant, il faut passer aux équipiers. Donc là, concrètement, bah, vous regardez les notes qu'ils ont. Alors Pierre Roland, un petit peu cher, il serait bon équipier, il serait même bon leader, hein. Après, c'est vos préférences. Donc nous, on ne va pas se le payer, 68 000, c'est quand même un petit peu cher. Alors on a John Gadret. John Gadret, lui, très bonne récupération, bonne montagne, bon vallon. Donc pour un grand tour, il est... il est génial comme lieutenant sur la montagne. C'est pour ça que ça justifie d'ailleurs son prix. Alors bon, il a 34 ans aussi, mais bon, on va pas trop faire les difficiles non plus. Hubert Dupont, 33 ans. Bon, on va regarder un petit peu du côté des jeunes. On a Géniès qui est vraiment un coureur complet. Donc celui-là, on va le prendre aussi. Hop. Thomas Voeckler, on a dit non. Arnold Janson, 76, 76, 75 de récup. Parfait ça. Ça pour les grands tours, c'est parfait. Et sachant qu'il y a 3 grands tours dans l'année, alors bon, votre sponsor n'est pas obligé de vous placer sur les 3 grands tours, mais du coup, il faut un paquet d'équipiers pour la montagne pour les placer un petit peu sur toutes les courses. Donc Kenny Ellison, c'est pareil, 22 ans, 76 montagnes, 70 récup, ça c'est parfait. Maxime Bouet, coureur très complet également. On prend Christophe Riblon, coureur complet, un peu de contre-la-montre. J'aime bien avoir des coureurs montagneux avec un petit peu de contre-la-montre. C'est toujours sympa sur les contre-la-montre par équipe. Ça évite de perdre trop de temps. Donc on prend Johan Bagot, 75, 75, 69, 26 ans. Bon, il va pas trop évoluer. On va peut-être aller voir un petit peu ailleurs. Vuillermoz. Vuillermoz, il est pas mauvais non plus. On y va. Hop.
Là, on est déjà à 17 coureurs, voilà, donc il nous en faut 26 minimum. Donc on a encore beaucoup de marge, on a encore beaucoup de salaire également à passer. Alors on va regarder en vallon. Est-ce qu'on a d'autres personnes à prendre? Jonathan Hiver, voilà, lui il est pas mauvais non plus, hein, en équipier sur les classiques, il sera parfait. Julien Simon, c'est pareil, en équipier sur les classiques, c'est bon, ça 76 de vallon, c'est ça, c'est parfait. Rudy Mollard, bon alors lui, il a que 76 en vallon, quoi. Pas beaucoup d'endurance, pas de résistance, accélération moyenne, il a 24 ans. Bon, après, c'est vous, si vous l'aimez bien, vous le prenez, sinon non, hein, vous faites comme vous voulez. Anthony Roux, qui est bon en vallon et contre la montre. Et il est bon en plaine. Alors ça me plaît parce que si jamais je dois emmener un train de sprint, ça peut me servir. Donc Anthony Roux, on va se le payer. Voilà. Et maintenant, on va aller voir un petit peu de côté pavé. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on a la chance en France d'avoir quand même pas mal de coureurs qui sont moyens en pavé, ce qui va nous permettre d'avoir des équipiers sympas. La Dagnous, par exemple, pleine pavé. Donc ça, c'est le top. Hop. Joanne Lebon, il est bon aussi. Un peu d'endurance, un peu de pavé, un peu de plaine, vallon, contre-la-montre. Donc lui, le coureur complet. On le prend. Damien Gaudin, c'est de la même sorte. On peut ensuite aller voir du côté des jeunes. Florian Sénéchal, 72 en pavé à 20 ans, 75 en accélération, 70 sprint. Ça, c'est sûrement une valeur sûre pour les années à venir. Donc vous pouvez prendre un coureur comme ça qui pour le moment vous semble faible. Mais vu qu'il a que 20 ans, peut-être que dans 2 saisons, ce sera votre leader classique du Nord et vous en serez bien content. Donc des fois, miser sur la jeunesse, ça peut être sympa. Donc voilà pour nos pavés. Donc en sprint, il va nous falloir quelques poissons pilotes. C'est-à-dire le coureur qui précède avant l'arrivée, le sprinter, qui va lancer votre sprinter. Alors ici, on va dire qu'on a le choix. Alors un bon poisson pilote. C'est un coureur qui a des stats en sprint à peu près dans ces eaux-là, 74-75, et une bonne note de plaine pour suivre le train. Ça, c'est important. Donc William Bonnet, il est pas mal en lanceur. Geoffrey Soupe, lui, il est, on va dire, parfait. C'est le lanceur d'ailleurs officiel de Nasser Bouhanni. Donc celui-ci, on va se le payer. C'est toujours sympa. Voilà. Soupe. Hop, on se le prend. Alors ensuite, qui c'est qu'on a? Yannick Martinez. Bon, 70 en pleine, c'est un tout petit peu light. Adrien Petit, 72. Bon, il a une meilleure note en sprint quand même. Alors bon, Adrien Petit, il est jeune, hein, il a 23 ans, un peu du Brian Cocquart. Après, c'est vous qui voyez. Hein. Hop, on va le prendre. Et puis comme ça. Sébastien Chavanel, qui est un des poissons pilotes de Arnaud Démare. Avec, comment il s'appelle, je sais plus, Sébastien Chavanel et je sais plus qui c'est son deuxième. Alors Alaphilippe, lui, c'est un jeune coureur qui commence à s'imposer un petit peu chez les pros. Donc là, on voit pour le moment qu'il a juste une bonne note d'accélération, mais un sprint moyen. Donc bon, il a que 21 ans. On peut espérer qu'il évolue dans le bon sens. Ok, bon, alors là, on a pile 26 coureurs. Donc après, c'est un petit peu du bonus si vous voulez en prendre ou pas. Vous voyez qu'on n'a pas du tout épuisé tout le budget. On a encore de la marge. Alors ici, on a 18 ans. Mutinowski, qui est une des révélations de l'année, on va dire. Donc lui, on va se dire qu'on va viser sur l'avenir et on va le prendre pour les années à venir en espérant qu'il ait une bonne marge de progression pour les classiques. Et ensuite, qui c'est qu'on a dans les jeunes? Ouais, bon, dans les jeunes, voilà. Une Turini qui serait pas un bon poisson pilote. Bon, on est à 27 coureurs, on peut s'arrêter là, c'est quand même déjà pas mal. Ensuite, on choisit un joli maillot. Alors bon, là, on est l'équipe française, donc on va aller voir dans les équipes françaises qu'est-ce qu'on a. On va pas faire les difficiles non plus. Hein.
On va pas prendre un territoire particulier parce que parce qu'on a des coureurs qui viennent d'un peu partout. Donc on va prendre un français classique. Un français classique. Allez, voilà, c'est parti. Ok. On va lui mettre un nom. On va lui mettre un nom, oui. On va l'appeler. On peut pas effacer. Ah, mais c'est bien. Là. France Télé. Hop. FRT. Voilà, hop là, ça c'est pas très important. Et nous voilà au début de notre carrière. Donc là, ce que vous allez découvrir, c'est les objectifs sponsors. En fonction de l'équipe que vous avez créée, le sponsor s'adapte et vous donne des objectifs selon vos coureurs. Donc si vous avez pris essentiellement des sprinteurs, et bien vous allez avoir des objectifs qui vont se baser sur des classements par points, qui vont se baser sur, des victoires d'étape, etc. Et si vous avez plus des coureurs de grands tours, ils vont vous demander de faire des bonnes places. Donc nous, on a une équipe qui est complète, donc on est sur toutes les grandes courses. On a le Paris-Nice, donc on n'a pas le Tirreno, on a le Paris-Nice, Milano, le Critérium International qui est une course continentale. Les deux courses pavées, les deux courses classiques du Nord très importantes de l'année, la Ronde des Vlaams Orange Paris-Roubaix. On a seulement une seule des classiques. C'est un petit peu dommage. Une autre course continentale. Alors victoire d'étape sur le Super Giro. Troisième du Critérium, championnat de France. Bon, on a l'équipe française par excellence. Donc évidemment, il faut qu'on ait le maillot de champion de France. Des victoires d'étape sur le Tour de France. Des victoires d'étape sur la Vuelta. Donc bon, concrètement, ils ne nous ont pas placés sur les grands tours en nous demandant de faire une bonne place. Alors après, ça c'est vous qui voyez. Si au Tour de France vous estimez que vous voulez faire une bonne place, et eh ben envoyez du budget, vous dites je vais faire top 3 avec Romain Bardet sur le Tour de France, vous dites au sponsor je vais faire top 3. Si au contraire vous dites je sais pas, sur la ronde D je me sens pas du tout de faire top 5, je veux faire un top 10, voilà. Bon, vous perdez un peu des sous, mais au moins le sponsor sera content. Après ça, c'est vous qui voyez comme vous voulez vous arranger. Donc là, on a essentiellement des courses françaises hein, quand même. Le sponsor est beaucoup plus content quand ça se passe en France. Hein, Paris-Nice, Paris-Roubaix, le Tour de France, le Circuit de l'Ain. C'est toutes des courses françaises. Concrètement, là, on va laisser le top 3 sur le Tour de France, parce que j'aimerais quand même bien placer un de mes leaders sur un grand tour. Le reste, on va rester en victoire d'étape. Ça me semble pas trop mal. Donc on va passer à la partie objectif. Et alors là, c'est parti pour l'enfer. Alors, c'est pas si atroce que ça. Simplement, ça vous demande de connaître quasiment tous les coureurs de votre équipe. De savoir où est-ce qu'ils peuvent briller, de connaître tous les objectifs sponsors et de connaître également, alors là c'est un petit peu plus délicat, le profil de chaque course et la date. Parce que c'est important, parce que, admettons, voilà, on a Sylvain Chavanel qui veut être en forme sur la Ronde des Vlaanderen, Paris-Roubaix. Qu'est-ce que je peux vous donner comme exemple sur ce coureur-là? Voilà, sur la ronde D, bon par exemple, si on le place, vu qu'il aura une bonne forme entre le Paris-Nice et la ronde D, hein, il aura une forme qui est quand même correcte, si on le place sur une autre course en se disant ça va être un bon équipier, eh ben c'est raté parce que avant des grands objectifs, les coureurs dans le nouveau PCM, il va avoir une fraîcheur très mauvaise. C'est-à-dire qu'il est en train de se préparer pour un objectif important, mais pour le moment, il n'est pas bon du tout. Donc il va falloir faire attention à ça, aux objectifs que vous voulez lui mettre pour pas qu'il ait une mauvaise fraîcheur parce que du coup il sera un équipier complètement inutile. Quand vous avez un coureur en fraîcheur mauvais qui démarre une course,
vous avez environ 25% de barres vertes, de barres jaunes et de barres rouges en moins. Donc pour briller et même pour faire un équipier potable, c'est très compliqué. Donc là concrètement, on trie les coureurs, ils sont triés par spécialisation. Donc avec ça, on va pouvoir se donner un axe des courses qu'on va donner à chaque catégorie de coureurs. Donc les classiques du Nord, à tous les classiques du Nord, on va leur donner la Rondé, le Paris-Roubaix, parce que c'est là qu'on veut qu'on brille. Alors on a également la course qu'on peut aller voir ici. Les 5 jours de Dunkerque, qui sont une course 2.HC. Voilà. Donc les 5 jours de Dunkerque, c'est du sprint. Il y a une première étape avec un tout petit peu de pavé, mais c'est des courses qui sont plutôt taillées pour des. Voilà, par exemple Martin Helminger qui a gagné l'année passée. C'est un coureur qui est pas énorme non plus, quoi. Un peu de pavé, un peu de plaine, un peu de sprint. Voilà, c'est tout ce qu'il faut pour gagner les 5 jours de Dunkerque. Donc un coureur comme Sylvain Chavanel, par exemple, pourrait correspondre. Il a tout ce qu'il faut pour aller gagner cette course-là. Après, c'est à vous de choisir un leader dans ces courses. Donc, il faut gérer, évidemment, on a 6 courses maximum qu'on peut leur mettre en objectif. C'est déjà beaucoup. Il y en a beaucoup qu'on ne va pas leur en mettre 6. Parce que c'est quand même différent si vous mettez la Ronde Vlaanderen, Paris-Roubaix, qui sont des courses d'un jour, et vous leur mettez le Tour de France et la Vuelta. C'est quand même pas tout à fait le même style de course. Il faut faire attention à ce que ici la fatigue qui est annoncée qui sera pas très haute apparemment pour ce coureur-là, finalement vous allez vous rendre compte que quand vous allez arriver au milieu de votre saison, la fatigue finalement elle va descendre à ce niveau-là. Hein? Parce que vous avez fait faire un stage à Sylvain Chavanel en pavé, parce que vous vouliez qu'il fasse une bonne place sur la Ronde des Vlaanderen. Et ben un stage en pavé, boum, ça rajoute de la fatigue. Ensuite, comme préparation avant le Paris-Nice, vous lui avez mis 3 courses d'une semaine, le Tour au Foment, Qatar, etc. Boum, ça rajoute de la fatigue. Plus vous mettez des jours de course à votre coureur, plus ça rajoute de la fatigue. Donc ici, quand vous regardez votre planning, vous vous dites ça va, on est cool, il va avoir une bonne fin de saison. Mais en fait, sur ce tableau-ci, on ne vous dit pas, bah, si vous lui rajoutez 50 jours de course, attention, vous allez descendre ici, en fatigue. Donc il faut penser à ça, de faire courir vos coureurs, on va dire, au minimum, en gardant quand même un petit peu des jours de course, sinon ils ne vont pas être contents. Et en leur mettant pas trop d'objectifs non plus. Là, moi, je pense qu'il en a un petit peu trop, Sylvain Chavanel. Il ne pourra pas s'aligner sur tout. Donc genre moi le Paris-Nice, déjà je lui enlève, ça c'est sûr. Je préfère le mettre par contre en leader, voilà, sur Ronde des Vlaanderen Paris-Roubaix, qu'il est vraiment un pic de forme comme il faut. Championnat de France, évidemment, je veux qu'il soit en forme. Le Tour de France, on ne va pas le mettre en objectif principal. Et la classique de Ploë, bon, c'est un petit peu. Voilà. Faut un bon sprinteur qui passe un peu les bosses, quoi. Donc là, le jeu vous met automatiquement des courses qui sont voulues par le sponsor ou non à vos coureurs. Aléatoirement, vous pouvez, par exemple, on arrive sur Damien Godin, il n'y a rien qui m'intéresse là-dedans, vous enlevez tout, vous recommencez à zéro. Ça, c'est Damien Godin, voilà, il est bon en pavé, il a 75 en plaine, donc il peut emmener un sprinteur sur quelques courses. Eh ben c'est parti, on va le mettre donc déjà sur la Ronde des Vlaanderen et le Paris-Roubaix en objectif principal. Et puis ensuite on va se dire, bah tiens, on va le mettre. On nous a demandé des victoires d'étape sur le Super Giro. Hop, on lui met le Giro parce qu'on voudrait qu'il emmène un sprinter. Alors après, bon, il n'aime pas trop le Giro, visiblement. Alors on va se dire, bon, bah tiens, ouais, est-ce qu'il est mieux sur la Vuelta? Non, ok. Ce qu'il y a, c'est que c'est un coureur qui n'a pas beaucoup de récupération, c'est pas un coureur grand tour, Damien Godin, il sera plus là pour des courses d'une semaine, il sera plus là pour. Donc après, ça c'est à vous de gérer. On va dire si on le met sur le Paris-Nice, voilà, là, il est un peu plus content quand même. Critérium du Dauphiné. Bon, c'est une course, c'est un petit peu plus. C'est un peu vallon-montagne.
Damien Godin, il va strictement rien faire sur une course comme ça. Donc on va le remettre sur les 5 jours de Dunkerque, puisqu'il y était. Voilà, donc ça, il aime bien, il est content. Critérium international, alors là, c'est un sprint, un contre-la-montre, une étape de montagne. Donc concrètement, c'est comme, enfin, ça va se jouer comme un grand tour. Il va nous falloir quelqu'un qui soit bon en montagne et bon en contre-la-montre pour aller chercher la victoire. Donc voilà, pour Damien Godin, moi je le veux à fond en forme pour le début de la saison. Paris-Nice, Blanc-de-Ron, Paris-Roubaix, 5 jours de Dunkerque. Voilà, je le veux ici, moi. La fin de la saison, j'en aurais pas besoin. Donc j'en profite pour le début et puis c'est tout. On arrive à la Dagnous. Donc là, concrètement, je vais faire le même planning pour tous mes classiques du Nord. Alors après, ça va changer parce qu'il y en a que je vais envoyer en grand tour ou non pour faire mon train de sprint. Parce qu'ils ont des excellentes notes en plaine. Donc ça, pour emmener Démare ou Boigny, ça peut être sympa. Mais concrètement, ils vont quasiment tous avoir le même planning. Donc on lui met la ronde D. Alors voilà, par exemple, un exemple tout con. Vous allez dire à un coureur, vous lui mettez le Paris-Roubaix en objectif principal. Mais vous dites, ça sert à rien, je vais pas lui mettre la ronde des Flandre-Run, ça lui fera trop d'objectifs. Tant pis, il profitera de sa bonne forme du moment pour aller à la ronde D. La ronde D, elle est le 16 avril. Pardon, le 6, le Paris-Roubaix est le 13 avril. Vous êtes sûr que si vous alignez votre coureur sur la ronde des Flandre-Run alors que vous ne l'avez pas mis en objectif, il aura une fraîcheur de merde, puisqu'il a son objectif qui est 6 jours après. Et eh ben, il va vous servir à rien du tout sur la ronde D. Donc il est important de mettre en objectif toutes les courses sur lesquelles vous voulez qu'ils brillent. Sinon, bah, ils seront vraiment juste de piètres acteurs et ils seront juste là pour combler l'effectif, quoi. Donc lui, bon, voilà, ça me plaît pas trop mal. La Dagnous, 70 de récup, je le mettrai quand même bien sur un grand tour. Là, il y aura une bonne forme. On va regarder ce que ça fait si on le met sur le Super Giro. Ça va pas avec les 5 jours de Dunkerque, on va regarder ce qu'il dit. Voilà, bon, il est content, et ben, on va le laisser comme ça. Johan Lebon, alors lui c'est pareil, hop hop hop. Donc là, il faut vraiment privilégier les courses sponsors. Ça, vous avez compris. Alors, ils veulent tous aller à la classique de Ploë. Bon, moi j'ai pas trop envie, je préfère qu'il aille à la Vuelta. Ah, la Vuelta, la voilà. Alors là, ça lui fait. Ce qui est embêtant, c'est que je lui ai mis des courses durant toute la saison. Et du coup, il n'a pas de moment où il peut se reposer. Et donc là, on va avoir un débordement de fatigue. À mon avis, en fin de saison, ça va être dur. Donc ce qu'on peut faire pour Johan Lebon, c'est lui supprimer les championnats de France. Ça lui fera un plus gros trou. Et on voit qu'en fatigue, on est quand même un petit peu mieux. Sachant qu'on aura assez de monde, à mon avis, pour les championnats de France. Bon, alors là, classique de Ploë, hein, ils y aiment bien, décidément. Alors lui, Johan Ofredo, on va le mettre sur la ronde D aussi. Hein. Voilà, 5 jours de Dunkerque, championnat de France. Alors il a pas grand-chose en objectif, ça, je suis bien d'accord. Mais il n'est pas très bon en récupération, donc je vais pas l'aligner sur des grandes courses. Alors on peut le mettre sur des courses d'une semaine. Voilà, on peut le mettre, je dis, allez, le Paris-Nice, hop là. Et il est content. C'est parti. Florian Sénéchal, hop hop. On va le mettre aussi sur la ronde D et le Paris-Roubaix. Voilà. Alors, Paris-Tours, ça c'est juste une course d'un jour réservée plutôt aux sprinteurs. Pro Tour de Benelux. C'est pas sponsor, je supprime directement. Lui, il va déjà avoir une grosse saison aussi, hein, sachant que Florian Sénéchal, c'est un très jeune coureur, il a 20 ans. Tout dépend de l'âge de vos coureurs, vous allez pouvoir les faire courir tant de jours par an. Plus ils sont vieux, plus ils acceptent de courir entre 80, 100 jours de course par an. Quand ils sont jeunes, quand vous arrivez déjà à 60, 65, la fatigue, elle est déjà monstrueuse, hein, donc, il ne faut pas tout donner dans le début de saison à accepter toutes les courses. Il faut commencer les économies directement dans le début de saison. Alors après, ils vous engueulent parce qu'ils n'ont pas assez de courses, mais derrière vous, vous remplissez vos objectifs
Et au moins vous allez découvrir en forme le jour où vous le voulez, quoi. Parce qu'il n'y a rien de plus énervant que quand vous arrivez au niveau de la Vuelta et vous avez tous vos coureurs, vous avez placé un objectif principal sur la Vuelta qui se retrouve à 4 de forme, quoi. Vous pouvez rien faire. Concrètement, vous êtes incapable d'aller gagner des étapes ou la course avec un 4 ou 5 en forme, quoi. C'est pas possible. Hop là, ça on supprime. Sébastien Turgot. Bon, lui c'est pareil, on va essayer de lui trouver une petite course. On va le mettre à Paris-Tours d'ailleurs. Hop là, Paris-Tours. Voilà, pour lui faire une fin de saison correcte. Bon, on va le laisser comme ça, on voit que ça lui va. Alors lui, il est au Tour de France. D'accord, Sébastien Turgot. Bon, bah. Maintenant, on passe au puncher. Alors, par exemple, la course Paris-Nice, elle est, pour pas dire. Pour moi, je trouve que c'est une des plus dures courses à gagner. Et encore plus, ou à faire un top 3, top 5. Parce que le peloton arrive finalement toujours groupé, même dans une étape comme ça, le peloton arrive toujours au sprint, donc ça se joue. Là, on a Bradley Wiggins qui l'a gagné. Concrètement, moi j'ai vraiment du mal avec cette course-là, parce que j'ai l'impression que c'est pour puncher, mais d'un côté, chaque fois que j'attaque, le peloton me rattrape. Donc ici, c'est une course pour puncher, c'est sûr, mais il faut quelqu'un qui soit très bon finisseur. Tout simplement. Il faut avoir quelqu'un qui soit presque bon en sprint et en vallon. Donc on va regarder ce qu'on a. Par exemple, bon voilà, Galopin, 75 accélération. Hiver, 75. Mutinowski, bon, encore un petit peu trop jeune. Anthony Roux, non. Simon, non. Vichot, accélération, 79. Alors ça, c'est déjà un petit peu plus intéressant. Donc on va pouvoir mettre Arthur Vichot en leader sur le Paris-Nice, donc il y a déjà d'ailleurs. On va lui enlever l'Amstel Gold Race parce qu'on n'a pas à y aller. On va lui rajouter. On lui enlève tout ce qui n'est pas du sponsor. Hein. Mais on va lui rajouter par contre la classique que nous devons faire. Hop. Liège-Bastogne-Liège. Ça c'est très vallonné là. Donc ce sera sur son terrain. Arthur Michaud, alors là, bon, la classique de Pouet, je vois que j'ai déjà 11 personnes sur le coup, ça fait un petit peu beaucoup. Je ne sais pas si ça lui correspond. On va l'enlever d'ici. Et Arthur Michaud. Ok, Paris-Nice, Critérium du Dauphiné, ouais, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on peut lui mettre d'autre? Bah, le Milano San Remo, par exemple. C'est pas mal. Eh ben on va le laisser comme ça, il a l'air content. Alors c'est parfait. Donc on va suivre le même à tous nos punchers. En tous les cas, on va leur mettre le Liège-Bastogne-Liège. On va pas tous leur mettre le Paris-Nice. Hein. On aura besoin d'équipiers, mais on va pas tous les mettre là non plus. Donc Tony Galopin, lui, on va le laisser. Le Liège-Bastogne-Liège. Et Galopin, on peut le mettre sur un grand tour pour aller viser une victoire d'étape. Ça peut passer. Donc on va le mettre, on peut le mettre sur le Tour de France si on veut. Hop là. Alors là, ça lui fait une très grosse saison. Il dit qu'il a beaucoup trop de pics de forme. Même si lui, il est content, là, ça va pas du tout. Vous avez beaucoup trop de pics de forme. Donc là, ce qu'on peut faire, le critérium, on peut lui supprimer. Voilà. Comme ça, on est sûr qu'il aura un bon pic de forme quand on veut. Alors ensuite, hiver. Alors on supprime tout ce qui n'est pas du machin. Classique de Ploë, il y en a déjà trop de monde. Lui, ça peut être un bon équipier ou un bon. Il peut aller chercher des victoires d'étape aussi sur. Sur un grand tour, on va le mettre à la Vuelta. Et on va le mettre. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, alors on a déjà du monde en fait partout, c'est un peu embêtant. N'hésitez pas à consulter le résumé. Vous classez ça par objectif, le nombre de personnes que vous avez sur chaque truc. Puis vous descendez pour voir s'il n'y a pas des étoiles, non, qui traînent. Que vous ayez. Bon, bah là, on a une seule personne. Ah oui, d'accord, ça a pas. Ouais, ça bug un petit peu. Le résumé bug souvent. Donc là, il mec, on n'a qu'un seul coureur pour la ronde D, mais en fait, on en a 2, 3, 4, 5, 6, 7. On a déjà 7 coureurs pour la ronde des Vlaanderen, donc il n'y a pas de problème. Super Giro, on a 3 coureurs.
Voilà. Donc là, il faut ici que vous ayez, sincèrement, pour chaque course, entre 4 et 5 coureurs, 3-4, 3-4 minimum. Et pour les grands tours, faut avoir 6-7 coureurs en forme. Pour les grands tours, là, par exemple, je dis le Tour de France, j'ai dit que je voulais faire un top 3. Alors, qui c'est qu'on va mettre au Tour de France? Ça va être vite vu. On a Thibaut Pinot, 81 montagnes. Et Romain Bardet, il a 79. Ouais, Thibaut Pinot est plus un leader de grand tour pour le moment. Donc Thibaut Pinot, Tour de France, il y va. Ruta, España, Tirreno, il n'ira pas. On va plutôt lui mettre en début de saison. Pas le Paris-Nice parce qu'il ne pourra pas s'exprimer là. Le Critérium du Dauphiné, c'est pas mal. Mais c'est juste avant le Tour de France. Donc le Critérium, ça nous bloque un petit peu. Si vous allez voir dans la page programme, je vais vous expliquer pourquoi. On a notre Tour de France ici avec le Critérium du Dauphiné qui est ici et qui est très loin du Tour de France. Donc pour monter le rythme de Thibaut Pinot, c'est un petit peu trop loin du Tour de France pour que ça nous permette de faire la course de préparation pour monter en rythme. Et en même temps, ça nous bloque pour faire des stages ou pour le préparer pour le Tour de France, quoi. Donc le mettre au Critérium du Dauphiné, c'est pas forcément la meilleure des solutions. Donc ça, c'est des trucs qui vont rentrer au fur et à mesure pour vous, dans le sens où moi je connais toutes les dates maintenant, j'y connais tout par cœur. Mais le Dauphiné en objectif avant le Tour de France, c'est moyen. Alors dans la vie réelle, il n'y a pas de problème, ça se fait tout à fait. Christopher Froome s'est préparé au Dauphiné, il me semble qu'il y avait Romain Bardet aussi. Là, les deux écoles se jouent. Il y en a qui vont se préparer au Dauphiné, d'autres au Tour de Suisse. Dans la vie réelle, il n'y a pas de problème. Dans le jeu, c'est un petit peu plus délicat parce que le rythme se perd encore assez vite, on va dire. Donc pour notre Thibaut Pinot, on va pas lui mettre ça comme, comme course, hein. Thibaut Pinot, voilà. Donc je ne veux pas le mettre au Critérium. Donc on va le mettre je sais pas où d'ailleurs. Il n'y a rien qui lui correspond vraiment en début de saison que le sponsor a voulu nous mettre. Alors on peut le mettre au Liège-Bastogne-Liège. Ça, c'est possible de lui mettre une classique. Hop. Je pense qu'il sera ouais, moyennement content, mais voilà, ça va. Voilà, ça lui fait une saison un petit peu plus complète à Thibaut Pinot. Donc, il va nous falloir pour le Tour de France Thibaut Pinot et il va nous falloir nos meilleurs lieutenants de montagne. Donc, là par exemple, on a John Gadret, 78 en montagne. Lui, on est sûr, il va au Tour de France. Voilà, je le veux au Tour de France. Par exemple, là, je vois qu'il y a Arnaud Démare et Bouhanni au Tour de France. Concrètement, on doit faire top 3 sur le Tour de France et on doit faire des victoires d'étape sur le Giro et sur la Ruta Espagnole. Donc, on ne va pas s'embêter à emmener des sprinteurs au Tour de France si on vise vraiment que le général. Hein, c'est comme si on sélectionnait l'équipe de Christopher Froome pour le Tour de France. Voilà, il n'y a pas de sprinteur dans l'équipe Sky pour le Tour de France. Il y a juste quelqu'un qui se débrouille à peu près sur le plat, genre Bernard Heisel ou quelque chose comme ça. Nous, voilà, sur le Tour de France, on sera axé classement général, montagne. Donc, on va mettre John Gadret, on va mettre Barguil. Donc lui, on va lui supprimer tout ça. Voilà, on va mettre Barguil. On va mettre... On peut carrément aligner nos deux grands leaders. On peut carrément mettre Bardet en lieutenant pour Thibaut Pinot. Hein. Ça, c'est tout à fait possible. On va mettre, donc par exemple, Démare Bouhanni, voilà, donc Démare, on l'enlève du Tour de France. On va l'enlever du Paris-Roubaix aussi. Milano-San Remo, il peut y aller, le Paris-Nice moyen. Et donc, on va le mettre sur un grand tour. Par exemple, on veut qu'il fasse des victoires sur le Giro. Donc, on l'aligne sur le Giro. Et alors là, il va falloir prévoir un train de sprint pour Arnaud Démare. Donc, on voit qu'on a déjà la Dagnus. Hein. Donc on peut, après il faut trouver les bonnes personnes. Voilà, bon le bon on l'avait mis pour la Vuelta. Donc par exemple si on met Bouhanni, on l'enlève du Tour de France, on l'enlève des courses, voilà, et on le met à la Vuelta. Donc on peut pas, hop là. On le met à la Vuelta. Et là on aura Johan Le Bon pour notre train de sprint.
Et on peut rajouter donc son sprinter poisson pilote favori. Voilà, donc on va rajouter Geoffrey Soupe, qui sera son poisson pilote à Dasher Bouani. Donc là, concrètement, on a un train de trois coureurs, Johan Lebon, Geoffrey Soupe, Bouani. Il nous manque une personne bonne en plaine pour emmener le train. Donc là, vous allez piocher là-dedans, hein, parce qu'on n'a pas encore pioché. On y avait juste mis comme ça, mais bon, on ne sait pas trop où on va. Donc par exemple, Gaudin, je te veux à la Vuelta. Donc là, ça lui fait trop. Alors là, il faut lui enlever quelque chose. Alors le Paris-Nice, on s'en fout un petit peu. 5 jours de Dunkerque, moyen, moyen. Et on a la Vuelta. Ce qui fait qu'ensuite, quand vous allez voir votre résumé, vous allez voir par exemple, alors Critérium du Dauphiné. Vous regardez qui c'est que vous avez. Pour gagner, vous savez qu'il faut quelqu'un qui soit bon en montagne. Vous regardez qui c'est que vous avez. Le meilleur en montagne que vous avez ici, c'est probablement Géniez. Voilà. Donc vous dites, ok, donc c'est Géniez, mon leader sur le Critérium du Dauphiné. Notre sponsor nous a demandé sur le Critérium du Dauphiné de faire top 3. Donc il va falloir tout miser sur Géniez. Donc vous vous arrangez pour lui mettre des stages de montagne avant le Critérium du Dauphiné. Et vous jouez tout pour lui pour espérer faire un top 3. Voilà. Donc au niveau des objectifs, c'est vraiment très long et laborieux. Mais si vous réussissez ça, à avoir des coureurs qui, du coup, quand vous allez voir votre programme, qui sont en forme, en face des bonnes courses, enfin, c'est génial quoi. Vous n'avez pas à vous creuser la tête pour caler le Giro par exemple. Hop, hop, hop. On va caler tous ceux qui sont déjà prévus sur le Giro. Enfin, je crois pas que c'est là que j'ai mis le plus de monde. Ouais, j'ai mis que deux personnes. On va aller voir le Tour de France par exemple. Hop. On va mettre tout le monde. Voilà, donc déjà là pour le Tour de France, on a 7 personnes qui ont ça en objectif. Donc Turgot, Pinot, Galopin, Gadret, Chavanel, Bardet, Barguil. Alors là, vous pouvez vite voir qu'on a Turgot, Chavanel qui vont être là pour la plaine et qui vont moyennement nous aider sur la montagne. Et on a quand même Gadret, Bardet, Barguil, Pinot qui font 4 coureurs qui sont très très bons en montagne. Alors là concrètement, si je devais vraiment jouer la carte Pinot sur ce Tour de France là, je supprimerais et Chavanel et Turgot. Et j'irais chercher Maxime Bouet par exemple qui est un coureur très complet. J'irais chercher des personnes qui sont pas mauvaises en... Même Géniez, il est super bon. On peut le prendre. Et comme ça, on a une équipe complète, exprès pour la montagne, pour aller peser, pour imposer le tempo et aller embêter les grands leaders pour placer Pinot dans le top 3, quoi. Donc ça, c'est l'objectif. Alors après, en même temps que je fais les objectifs, dans le même jour, en principe, je fais le programme de course, pas de l'année, mais quasiment des 6 premiers mois. Alors oui, ça prend un temps phénoménal, mais je crois que c'est nécessaire. Alors par exemple, pour vous donner l'exemple, alors ici, ils ne nous ont pas trop calé trop de courses. Alors d'habitude, ils vous foutent toutes les courses de début de saison. Là, vous avez un pavé vert ici, complètement inutile, qui font juste des jours de course à vos coureurs alors qu'ils ont passé en objectif. Donc de toute façon, vous allez rapporter aucune prime de course. Et puis, ça va juste servir à les fatiguer pour le reste de votre saison. Donc concrètement... Déjà les courses d'un jour, ça j'en supprime également la moitié. Ça m'intéresse pas d'en avoir autant. J'en laisse une, deux comme ça, voilà. Pour le Paris-Nice, ce que je fais pour les préparer en rythme au Paris-Nice, je les envoie d'abord sur une course, sur une longue course de plusieurs étapes. Donc là, vous choisissez entre Au Mans ou Var. Voilà, enfin, en principe, une plus longue course, quoi. Le Var, 2 jours de course, je trouve pas ça très utile. Donc en principe, j'en mets un au Tour of Oman. Et puis des fois, normalement, je les prépare pour le Tirreno aussi. Mais là, on s'en fout complètement, on l'a pas en objectif. Donc concrètement, ceux qui iront au Paris-Nice, ils iront au Tour of Oman, la Route of Oman, pardon. Et je leur mets quelques courses de rappel avant le Paris-Nice. Par exemple, on va les envoyer à la Copa di Camaior et à la Classica Roma.
Comme ça, là, ils auront monté leur rythme. Et là, ils auront déjà commencé à baisser. Mais boum, on leur remet 2 petits jours et on est OP pour le Paris-Nice. Si vous avez le Tirreno en objectif sponsor, ce que je fais en principe, je les mets au GP Algarve. Et ensuite, je leur mets à la Ronde van West Vlaanderen. Ça, c'est parfait. 3 jours de course avec ensuite, ça finit le 9 mars, le Tirreno commence le 12. Voilà, il y a 3 jours de pause. Et on attaque le Tirreno avec une bonne fraîcheur. Faites bien attention de ne pas mettre. Ici, par exemple, si je veux mettre la Classica Roma, que je trouve une course aussi. Enfin, si vous mettez 4 courses d'un jour avant le Paris-Nice, ils vont arriver là avec une fraîcheur de merde parce qu'ils auront trop forcé sur les autres courses. Donc ça, faut bien faire attention de pas non plus faire trop forcer vos coureurs. Donc là, je leur mets 2 jours de course comme ça, espacés d'un jour. Voilà, pour le Paris-Nice, on sera bon. Et ça vous laisse le temps, dans le mois de février, de les envoyer en stage. Donc par exemple le Paris-Nice, on sait que c'est un petit peu plus puncheur, mais il faut aussi des bonnes caractéristiques de sprint. Boum, et bah allez hop. Par exemple, pendant les 10 premiers jours de février, vous les envoyez en stage de sprint. Et pendant les 10 jours d'après, en stage puncheur, en stage ballon, quoi. Comme ça, vous avez des coureurs qui sont nickel pour le Paris-Nice. Ici, par exemple, moi, alors sincèrement, ce que je ferais, vu qu'on a quand même 26 coureurs, hein, faut arriver à faire courir tout le monde, n'hésitez pas quand même à prendre quelques courses pour envoyer. Des coureurs parce que les SIA World Tour suffiront pas à satisfaire vos coureurs. Donc gardez, comme vous avez quand même presque 30 coureurs, gardez des courses pour leur faire des jours de course. Ici par exemple, là quand j'ai 3 courses cumulées comme ça, j'aime pas parce que c'est rare que j'ai 3 x 8, 24 coureurs en forme pour aller disputer les courses. Donc si c'est pour envoyer des coureurs qui sont en forme 5 sur une course, qui tombent et qui se blessent, c'est pas très utile. Donc ce que je fais, hop là, le critérium, je supprime. On ne peut pas le supprimer d'ailleurs parce que c'est un objectif sponsor, excusez-moi. Ça aurait été dommage. Donc là voilà, il faudra faire avec. Donc vous savez que la Catalunya, on l'a pas à faire, on l'a pas en objectif sponsor. Donc quitte à mettre des coureurs qui sont pas très bons, qui sont pas montagneux, tant pis. Parce que j'ai 3 Harelbeek et Gant Wevelgem, je mets déjà les leaders pavés là-dessus pour qu'ils commencent à monter en rythme. Donc il faut avoir une visibilité du programme à long terme parce que vous voyez mieux comment ça va se passer votre saison pour vos coureurs. Par exemple, vous dites le Super Giro. Ok, bon, le Super Giro, on va le mettre quand même à Barguil, on va le mettre à Bouet, on va trouver des coureurs en forme, hein, ça, il n'y aura pas de problème, on va le mettre à Genièse, à Riblon, à Roux. Voilà, c'est juste histoire de combler. Voilà notre groupe Giro. Vous dites, pour monter le rythme, on va tous les inscrire au GP de Romandie, donc sachant qu'on ne peut pas parce que c'est 8 coureurs pour le GP de Romandie et c'est 9 pour le Super Giro, mais vous allez dire, bah tiens, on a un coureur Riblon, c'est pas grave s'il n'a pas de rythme pour commencer, il en prendra bien après. Ou alors après vous l'alignez, enfin vous l'alignez, voilà. Tour de la Turquie, parfait. Donc là voilà. Là vous avez prévu vos coureurs du Super Giro et le GP de Romandie pour monter leur rythme. Donc ensuite, à partir de là, vous avez tout ce temps-là pour aller faire les stages de reconnaissance et des stages de montagne, et des stages de contre-la-montre, de tout ce que vous voulez, tout dépend comment vous voulez parfaire vos coureurs. Seulement, là, ce que vous allez vous rendre compte, c'est que par exemple, voilà, Roux, il a le GP El País Vasco, je crois pas qu'on ait d'objectif sponsor là-dessus, mais admettons. Et ben merde, alors lui, je peux pas l'envoyer en stage pendant cette période-là. Bon, alors faut faire attention. Votre leader de votre Super Giro, si vous l'avez mis aussi sur les. Si vous l'avez mis aussi sur les classiques, bon ben voilà, ça vous bouffe du temps. Sachant qu'un stage, c'est valable 42 jours, qu'un Super Giro, ça commence le 9 mai, ça finit le 1er juin. Donc, du coup, vos stages, vous allez pouvoir les faire qu'à cette période-là, pendant 10 jours, pour monter une caractéristique, que ce soit montagne, sprint, tout dépend ce que vous cherchez sur le Giro. Et vous avez tout le reste du temps pour faire vos stages préparatoires. Sauf qu'ici, encore, boum, on arrive avec le Paris-Nice, le Tirreno. Donc si vous commencez à foutre des jours de course à vos coureurs pendant ces périodes-là, vous n'allez pas pouvoir les envoyer en stage et vous avez, je ne dis pas aucune chance, mais vous avez beaucoup moins de chances de peser sur la course si vous ne faites pas les stages de reconnaissance.
Alors après, pour les sprinteurs, c'est beaucoup moins vrai, parce qu'on ne reconnaît pas les étapes de sprint, on reconnaît essentiellement les étapes de montagne. Mais du coup, vous avez une visibilité quand vous, dès le début de votre saison, vous faites votre planning, avant d'avoir terminé et validé vos objectifs. Et là, vous vous dites, merde, j'ai fait une connerie. J'ai mis les classiques à tel coureur et je l'ai mis ensuite sur le Giro. Je pourrais pas lui faire de stage, ça me plaît pas. Je vais changer ça et je le mets sur la Vuelta. Voilà, comme ça. Où est-ce que ça peut être embêtant? C'est ici. Voilà. Le pire, c'est ici parce que, en principe, vous avez des coureurs qui vont doubler peut-être Giro Tour de France. Et alors là, ça vous fout dans la merde parce que vous avez très peu de temps entre le Giro et le Tour de France pour faire des stages de reconnaissance et des stages tout court. Sachant qu'avant le Tour de France, il va falloir aligner ou le Critérium ou le Tour d'Helvétie pour augmenter leur rythme, même s'il y a les championnats nationaux. Mais du coup, vous êtes vite coincé pour parfaire vos coureurs. Le doublé avec un leader Giro Tour de France est très très compliqué parce que vous n'avez pas le temps de faire les stages de reconnaissance et des stages de montagne, etc. Donc du coup, c'est assez compliqué à gérer. Mais c'est pour ça que moi j'aime bien, je fais tout. Voilà, donc tous ceux qui vont au Tour de France, ils vont faire le Tour de Suisse. Comme ça, je vois à peu près où j'en suis. Quand est-ce que je vais pouvoir faire mes stages? Il y en a même. Enfin, je commence déjà même à planifier mes stages. C'est pareil. Vos classiques du Nord. Allez, on va les mettre. Donc là, on a toute notre troupe. On va en mettre qu'un, puis on le mettra après. On a toute la troupe, donc qu'on a définie dans les objectifs. Il y en a d'ailleurs un qui a que le Paris-Roubaix, là, je viens de voir. Qui a que la Ronde des Landes, non? Non. Ok. Donc, ici, on a des coureurs qui vont avoir un trou, donc déjà de 4-5 jours, là, entre la course. Donc, si vous pouvez trouver, il me semble qu'il y en a une. Le 7 avril, il me semble qu'il y a une petite course continentale que vous pouvez rajouter juste après pour gagner un jour de rythme pour le Paris-Roubaix. Mais là, donc ensuite on leur met à tous, évidemment, donc on a dit les deux courses pavées. Hop. Donc ça va déjà bien participer pour monter leur rythme, hein. Il n'y a pas forcément besoin de leur mettre autre chose. Mais admettons que ces coureurs-là, vous les avez alignés sur le Tirreno-Adriatico. Boum, il y en a, et ben voilà, c'est aussi un objectif. On vous a demandé le classement par points sur le Tirreno-Adriatico ou sur le Paris-Nice. Vous avez décidé, vu qu'ils sont bons en plaine, de les mettre pour faire votre train de sprint. Et là, paf, merde, on arrive déjà au classique pavé et je fais mes stages quand? Et ben ça, il faut y regarder. Donc là, on a quand même, donc du 19 au 27, on a 7-8 jours où on peut faire des stages. Mais du coup, on est vite limité si on a des coureurs qui sont vraiment mauvais pour les aider avec les stages. Pareil pour le Milano-San Remo par exemple, on se dit bah tiens c'est une course, c'est un petit peu puncher, c'est un petit peu sprinter, faudrait un sprinter avec des bonnes stats en vallon. Bon voilà, si vous voulez préparer Arnaud Démare pour le Milano-San Remo, parce que voilà, Démare il a quand même 71 en vallon, une bonne endurance, bon sprint. Vous dites, ben, on va faire un stage de vallon, sauf que, pan, merde, on doit rapporter le classement par points au Paris-Nice. Ben ouais, ben, on fait comment alors? Donc, vous avez la visibilité de toutes les courses en faisant votre programme dès le début, quoi. Alors, ouais, vous allez passer 2 heures au 1er janvier. N'hésitez pas à passer des jours. Genre, vous avez fini tous vos objectifs, voire même à la moitié de vos objectifs, vous passez un jour, ça enregistre. Parce que si le jeu crache, ça m'arrive régulièrement, vous avez perdu tout ce que vous avez fait en objectif. Et alors là, vous vous arrachez les cheveux un par un. Donc n'hésitez pas. Alors par contre, vous avez que jusqu'au 6 janvier pour sauvegarder, parce qu'après, il faut valider les objectifs coureurs. Donc passez des jours juste pour enregistrer tout ce que vous avez fait. Là, tout mon programme, tous les objectifs, là, tout ce que je viens de faire, si le jeu plante, j'ai tout perdu. Il n'y a absolument rien enregistré. Donc voilà, faites gaffe à ça. De quoi je peux vous parler d'autre? Là voilà, niveau objectif, objectif planning, c'est un petit coup de main à prendre et quand vous aurez déjà passé une saison complète avec vos coureurs, vous allez probablement les connaître quasiment par cœur, vous allez faire un petit mercato, vous allez faire quelques transferts, mais bon, c'est pas grand-chose.
Vous allez savoir l'année d'après exactement où vous voulez les mettre, qu'est-ce que vous voulez faire avec. C'est plus facile quand vous connaissez par cœur vos coureurs et que vous connaissez les courses que le sponsor veut vous faire courir, quoi. Voilà, c'est un mix de toutes ces choses-là. Je ne sais pas si j'ai été super clair et si je vous ai bien aidé, mais au niveau de l'objectif et du programme, c'est beaucoup de temps et de prise de tête à passer. Regardez bien le résumé, ça vous aide, enfin, vous avez une bonne visibilité de savoir si vous avez assez de coureurs sur toutes les courses du sponsor. Et allez voir votre programme pour voir si c'est pas incohérent ce que vous faites. Sachant que les stages, ça coûte pas mal d'argent, mais qu'avec un stage, vous avez des chances de faire plus de résultats. Et qui dit plus de résultats, dit plus de primes de course, et qui va largement combler ce que vous leur avez fait faire en stage précédemment. Donc c'est un genre d'investissement pour avoir un bon retour derrière. Voilà où on en était. Après, au niveau des transferts, je vais juste vous rappeler quelques trucs. Alors moi, ce que je fais recherche. On a dit qu'on restait en France. Hein, voilà, si on veut rester en France, on reste en France, on recherche et on regarde la saison prochaine, est-ce qu'ils ont des contrats ou non. Donc voilà, par exemple, lui, Antomarchi, je me dis, bah tiens, lui m'intéresserait peut-être, Vallon, il n'a pas de contrat. Et bien, bah, vous guettez. Et quand vous arrivez au 25 juin, vous avez le droit de faire des propositions à ces coureurs-là. Donc, vous allez tout simplement vous cliquez dessus, vous allez un coup à gauche, contacter. Donc là, on ne peut pas avant, pardon, le 21 juin. Et vous allez avoir une page qui s'affiche avec un salaire. Alors, le salaire affiché, c'est ce que le coureur exige, lui. Sauf que parfois, les autres équipes font des propositions plus alléchantes. Donc, le gars, il va vous dire, bah écoutez, voilà, chez Trek, on m'a proposé 30 000 euros, tu me proposes 25 000, moi, je ne veux pas, quoi. Donc, toi, si vraiment tu le veux, tu négocies, tu remontes à 31 000, voilà. Comme ça, tu l'as, et c'est sympa. Donc, vous allez recevoir des mails qui vont vous dire, tiens, je ne sais pas, Chris Froome à votre équipe dans le viseur, est-ce que vous voulez lui proposer un contrat? Ça, c'est, ils ont mis ça en place enfin, que cette année. Je suppose que c'est pour nous aider à voir un petit peu les coureurs qui sont sans contrat. Et pour nous aider à faire un bon mercato. Je pense pas que le gars soit plus enclin à nous rejoindre plutôt qu'une autre équipe. C'est juste que c'est le jeu qui nous avertit qu'il y a ce coureur qui est libre. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? Vous avez les jeunes. Alors les jeunes, vous avez ici le résultat espoir. Vous avez le classement mondial des jeunes et les derniers résultats. Donc voilà le calendrier, il y a toutes ces courses-là. Donc vous pouvez aller voir les résultats de sprint, de montagne, etc. Vous regardez le détail des étapes et les gagnants. Et vous pouvez vous baser uniquement là-dessus pour recruter des jeunes coureurs qui sont parfois des pépites ou parfois vous n'allez jamais pouvoir rien en faire. Donc quand vous recrutez un jeune, un conseil, il vous propose de base 2 500 euros de salaire et 3 ans, de contrat. Moi, je baisse tout de suite à 1 an, hein, parce que vous allez les prendre, il y en a, ils valent vraiment que dalle pour une équipe Sia World Tour, ils méritent absolument pas, quoi. Ils ont 55 de moyenne. Donc, je les garde qu'un an, comme ça, à la fin de l'année, je leur dis merci, au revoir, et je les change, quoi. Parce que si vous êtes engagé 3 ans et que vous devez le licencier ou quoi, ça va vous coûter un bras. Donc partez sur 1 an. En 1 an, il n'aura pas eu le temps, même si c'est un futur grand. Qu'il a des stats monstrueuses, au bout d'un an, il n'aura pas non plus pris 100 000 euros de salaire, quoi. Donc vous allez le renouveler. Là, vous pouvez, s'il vous plaît vraiment, vous le renouveler pour 3 ans à un salaire, on va dire, je sais pas, votre 25 000, parce qu'il commence à être pas mauvais. Et comme ça, pendant 3 ans, vous le payez à 25 000, alors que peut-être que l'année d'après, il va en valoir peut-être 70 000, quoi, hein. Ça, après, ça c'est de la gestion pure et dure, hein. Voilà, moi je passe toujours par cet encadré-là, quoi, par la recherche. Je regarde ceux qui sont sans contrat, tout simplement, les coureurs qui m'intéressent. Et j'adore aussi aller taper dans les jeunes coureurs. Alors il y en a qui préfèrent pas parce qu'ils préfèrent jouer avec les coureurs qui sont actuellement dans les pelotons et éviter de ramener des nouveaux noms qu'on connaît pas.
Moi, j'adore jouer avec les jeunes coureurs parce que c'est des valeurs complètement aléatoires, c'est vraiment du poker. Vous recrutez quelqu'un et vous ne savez pas du tout ce qu'il va donner. Alors, les équipes de détection vous permettent de savoir si c'est un futur grand, un prometteur, un machin. Sincèrement, pour le moment, j'y ai trouvé absolument aucune utilité parce que des fois, ils vous donnent un futur grand qui a 55 de moyenne et qui n'évoluera jamais. Donc ça, je trouve ça un petit peu dommage de la part du jeu de faire un truc aussi inutile vu le prix qu'on paye les éclaireurs. Donc moi, les éclaireurs, ils me servent, je fais pas mal de repérages. Je repère les coureurs, je regarde leurs notes. Et puis voilà, quand il y en a un qui dépasse les 70 en vallon, 70 montagne, 70, là, je m'y intéresse. Et puis en principe, je me fais un petit pack de 5-6 jeunes pendant le mercato, quoi. Et puis je regarde ce qui va après quoi, hein. Il y a parfois vous tombez sur vraiment des grosses pépites et parfois pas du tout. Donc après je vais vous dire que vous passiez par les résultats espoirs, vous regardiez qui gagne en étape de montagne, tiens lui je le recrute, je le repère même pas, de toute façon il est bon en montagne, ou que vous alliez regarder les futurs grands de vos équipes de détection, la part d'aléatoire est quasiment la même. C'est très très dur d'avoir. De savoir si vraiment le coureur va être bon ou non. Donc voilà pour les transferts. Après, c'est vous qui voyez. Ce qu'il faut faire attention, c'est que vous avez un budget, vous avez une masse salariale qui, si vous faites des bons résultats, augmente. Mais elle n'augmente pas comme vous le voulez, hein. Donc c'est un petit peu le problème, c'est que des fois, vous allez vouloir renouveler tous vos coureurs, sauf que tous vos coureurs, ils ont évolué et ils veulent tous être augmentés. Et finalement, vous ne pouvez pas tous les payer. Donc après, vous vous retrouvez à avoir renouvelé la moitié de vos coureurs et la moitié des autres, vous ne pouvez pas leur proposer de contrat parce que la masse salariale est au taquet et vous ne pouvez plus rien faire. Donc ça, c'est de la gestion de budget, c'est de la gestion de coureurs aussi parce que faut comprendre aussi que vous ne pouvez pas avoir trois gros leaders de classique, par exemple, dans la même équipe, que vous ne pourrez pas tous les payer ou alors vous n'avez rien d'autre dans l'équipe, quoi. Ou alors il faut se spécialiser pour les classiques, ou je sais pas, mais vous ne pouvez pas payer tout le monde comme ça. Donc il y a un moment pour faire un choix et se dire, bon, ben, je garde ce leader-là et l'autre, et ben, je le laisse partir, tant pis. Donc ça, après, c'est un choix à faire. Dans les équipes World Tour, bon, la dernière fois que j'ai fait ma saison, là, il y avait Mollema, Nibali, Fuglsang et je sais plus qui, encore un autre gros leader dans l'équipe Astana. Alors quand vous courez contre ça, c'est un petit peu frustrant. Et Quintana, ouais. Donc c'était un petit peu frustrant, quoi. Quand vous courez contre ça, sur les classiques ou quoi, c'est un peu Dream Team, quoi. C'est un petit peu pénible. Mais bon, vous pouvez pas vous le permettre. Concrètement, c'est pas possible. Donc vous faites des choix de leader, vous regardez un petit peu votre masse salariale, qui vous pouvez payer, qui vous ne pouvez pas, et puis une fois que vous avez fait le choix, et ben en avant, vous renouvelez ceux qui vous plaisent, et puis voilà. Bon, ben je crois qu'on a fait le tour un petit peu de cette partie un petit peu plus technique de la gestion stratégique du jeu. Le matériel, pour le moment, j'en dirais strictement rien parce que j'ai pas encore apprécié ce nouveau système. J'ai pas du tout compris l'utilité, modification. Ouais, bon, alors après, fiabilité, feeling, ça devient meilleur. Concrètement, en course, j'ai quasiment jamais de crevaison. C'est très, très, très rare. Des chutes, j'en ai rarement également. Donc, enfin, l'équipement, concrètement, je m'y intéresse pas plus que ça. Non, je m'intéresse pas plus que ça, donc je peux pas vous faire quelque chose de vraiment détaillé là-dessus. Faites-le à votre guise, de toute façon ça coûte rien de faire des recherches, donc amusez-vous comme vous voulez avec ça. Bon, ben voilà, je crois qu'il va être temps de vous laisser, ça fait déjà un moment que je blablate. Ben, j'espère que ça a été assez clair pour tout ça. Et puis ben, je vous souhaite bon courage pour vos débuts de saison avec vos objectifs et vos programmes. Et puis je vous dis à la prochaine. Pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!